la YouTube World. Alors, même tenue, même coiffure, même tout qu'une vidéo, me semble que c'était mon journal du mois. Mais parce que je suis dans une très bonne dynamique, je ne vais pas vous faire des croyés de changement de tenue et de coiffure. On empile, on enchaîne. Et là, on se retrouve avec un petit haul bien modeste, un petit haul Action. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas retournée chez Action. J'ai fait quelques achats, je me suis dit... Allons-y. Je vais commencer par un article de beauté qui a fait un foin phénoménal, en tout cas sur Instagram, après TikTok, tout ça, j'en sais rien. J'ai plus le packaging parce que j'ai voulu l'essayer dès que je l'ai eu. Il s'agit de cette petite chose-là que vous avez dû certainement croiser sur les réseaux puisqu'il s'agit de la Lip Oil qui se colore au contact de ta lèvre et s'accorde avec le pH. Je trouve ça très agréable. Et puis, nous allons faire donc le test ensemble. Hop. Oui, Ruby, tu te tires, ma fufu. Oh, oui, c'est dur la vie. Oh, c'est dur la vie de Stouff. Hein, que tu as un peu. En direct, comment ça se passe? Alors, me semble que ce truc-là coûte 1,29€, 1,49€. Et comme ça fait du foin sur les réseaux, j'imagine que ce bordel-là est introuvable maintenant. Hop! On va laisser le charme agir. Déjà, je te le dis, c'est hyper agréable à porter parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire être proche d'un gloss, il n'y a pas cet effet collant du gloss. On est vraiment sur un effet huileux, tout simplement. Et donc, il ne t'assèche pas les lèvres quand tu l'appliques quelques temps après l'application. Et voilà, c'est très subtil. Moi, j'ai pris la pink, me semble-t-il. Voilà, c'est subtil. Je ne suis pas maquillée ailleurs. Hein. J'ai pas de teint ni les yeux faits. C'est subtil, point trop n'en faut. Écoutez, moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Ça reste naturel, mais ça te donne un petit coup de... Ça te donne un petit coup de peps. Donc ça... Évidemment, je valide. Est-ce qu'il y a encore des dispos dans les actions? Vous savez, quand un truc fait un foin sur un réseau de chez Action, après, c'est très très difficile de le trouver. Ah bah l'élément indispensable ici que j'ai au nombre, je crois, de 5, 6 ou 7, parce que j'ai arrêté le nettoyant vapeur pour les sols. Pourquoi? Because augmentation de l'électricité. Donc, comme moi, je passe au bas mot 2 fois par jour, voire 3 fois sur mes sols, c'est-à-dire que la vapeur, là, une facture d'électricité à 2 797 € par an. Non, je suis pas volontaire pour le truc, donc j'ai les mopettes Vileda, vous savez, le balai, vous le mettez dans l'essoreur, et hop, tu passes ton coup. Ça me permet de changer plusieurs fois dans la journée. Ça se lave très très bien, ça passe en un programme, il n'y a pas besoin de mettre 90. Et je les trouve très peu coûteux chez Action par rapport à ailleurs. Et ça, c'est très pratique, surtout quand tu as des chiens avec le temps actuel qui te niquent ta maison à la moindre sortie. Bah derrière, tu arrives, pla 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 pla, allez hop, empaqueté, c'est pesé. Grab mommy. La base, cette éponge-là. L'éponge, vous savez, celle-là. Alors moi, je ne l'avais pas encore trouvée chez Action. Je l'avais eu. Ma fille me l'avait ramenée de chez Normal. Je ne suis jamais allée au Normal de Rouen. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est. Donc, au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est-à-dire que ça, je m'en sers pour tout. En fait, de base, je m'en servais avec la pâte nettoyante Pink Stuff. Mais je me suis aperçue que même pour la vaisselle lambda... c'était hyper chouette. J'adore cette éponge là et autant en utilisation à sec sans l'humidifier et autant pour une utilisation un peu moins on va dire corrosive, t'as le côté un peu plus lisse. Bah pour par exemple moi j'ai des poêles anti-adhérentes pour éviter que ça t'arrache le revêtement. J'aime beaucoup cette éponge, donc là j'en ai pris 2. J'aurais pu en prendre plus, mais il y avait du monde quand je suis allée chez Action et je suis la première à lutter contre le chacalisme chez Action, parce que ça c'est chiant, hein. T'arrives, ouais, une nouveauté, t'en vois qui en prennent par 15, 20, que font-ils de tout ça? Alors celui-là, le Fabulosa, parce que vous allez voir quelque chose, oui, parce que sachez qu'ici, il est exactement 16h15, mais que je suis obligée de mettre la lumière, la ring light, tellement il fait sombre, de chez Fabulosa,
Bah, c'est tu sais, de l'anti-odeur pour les tissus, moi mes rideaux, mon canapé et tout ça, entre deux nettoyages, passage en machine, l'odeur Winter Spice. Oh, c'est quelque chose, c'est quelque chose. J'adore ce produit-là, et d'ordre plus général, j'aime beaucoup les produits Fabulosa parce qu'il n'y a pas un produit qui m'a déçu, si ce n'est, allez, on va chipoter, si ce n'est le parfum de linge qui pour moi ne fonctionne pas du tout. Mon linge ne sent... alors peut-être qu'après c'est les ingrédients, les matières premières que je mets dans ma lessive qui font qu'ils doivent capter, je sais pas, peut-être que le bicarbonate capte les odeurs, même les bonnes, mais en tout cas ça chez moi ça ne sert à rien. Par contre ça, mais ça la base. Bah alors là, si pour vous nettoyer la chicotière vous êtes adepte des produits naturels, ce passage de la vidéo va vous faire fondre sur place. J'ai acheté mes Colgate Max White, White plus 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 White, voilà, qui coûte un œil chez Super U par exemple, et qui chez Action coûte 1 euro et quelques. Pourquoi cette différence de prix? Je ne sais pas, hein, parce que le merdier est quand même pas périmé. Mais moi je suis très bien avec ces dentifrices, j'ai essayé, hein. J'ai fait pendant un sacré paquet de temps le dentifrice naturel, et bah pensez ce que vous pensez, mais le dentifrice, tu sais, dénué de plein de choses, sauf que bah c'est, je fais rarement des caries, des choses comme ça, parce que le dentiste, j'y suis tous les ans, enfin voilà, la moindre douleur, je suis chez le dentiste, c'est-à-dire que les dents, selon moi, c'est quand même ce qu'on voit, en premier, je rêve souvent d'ailleurs que je perds des ratiches, machin. Bref, il y a un petit souci avec le domaine dentaire. Et donc j'avais essayé de faire une transition naturelle pour mes chicots. Ça s'est très mal passé puisque derrière je me suis pété 3 caries. Bref, je suis revenue à ça. Le tribunal des réseaux va fondre. Pour continuer sur ma lancée, écoutez, tant qu'on y est, quitte à me prendre des foudres. Ah, j'ai mangé un clown moi ce matin. Oui, oui, bon, bah, Fructis quoi. Fructis, voilà. Il y avait cette gamme que je ne connaissais pas, donc la gamme Damage Eraser, shampoing réparation interne, compense la perte de kératine pour 99%. De dommages en moins. Bon, alors on est sur quand même une composition qui donne envie de se pendouiller au court, que j'assume complètement parce que de toute façon depuis que j'ai fait le blond j'ai oublié l'idée de faire des trucs naturels. En revanche, ce que ce shampoing et cet après shampoing a pour lui, c'est l'odeur qui est sublime quoi. Ah ouais, c'est quelque chose. Donc spécial cheveux abîmés. Bon après, voilà, la routine coûtait rien du tout. Je l'essaierai, je vous en parlerai. Mais bon là, c'est vrai qu'entre le dentifrice et les shampoings, j'en ai perdu 8. Vraiment, et encore, 8, je suis gentille. Je vais en perdre 10 de plus. Je me suis acheté un déodorant pchit. Sachant qu'ordinairement, je suis à la bille. Ou au stick, le dernier en liste qui se termine là, et il est grand temps, le dernier en liste est le Sanofleur. Mon Dieu, mais quelle angoisse, le Sanofleur. Le Sanofleur, en fait, le déo finit par puer plus que toi. Si vous voulez, l'une de mes craintes quand je prends un transport en commun, puisque c'est ce que je crains moi-même, donc évidemment que comme je le crains pour les autres, je le crains pour moi ou son opposé, tu vois, c'est assez révélateur. Je ne supporte pas de monter dans un transport quand ça pue la transpi, mais vraiment c'est quelque chose qui me met très mal et je suis capable de descendre du bus. Donc je me dis, il faut que je m'assure, là je vais être amenée à prendre beaucoup les transports. Je vais être amenée peut-être à avoir quelques petits pics de stress, étant donné que je vais avoir quelques rendez-vous médicaux qui vont avoir lieu. Donc je me connais. Là, il me fallait quelque chose, et encore j'aurais pu prendre pire que ça. Il y avait chez Action la marque Vaseline, enfin bref, là j'ai pris le mieux dans le pire. Mais là il faut quelque chose qui tient, parce que moi il n'est pas question de polluer tout un bus en odorama et d'être par conséquent mal à l'aise, parce que quand tu pues, moi j'ai du mal à croire qu'on pue et qu'on le sente pas. Moi quand je, notamment l'été ou quoi au caisse, quand le déo a lâché la rampe, je le sens, et ça me fout une honte sans déconner, c'est con hein.
C'est con, mais moi, ça me met vraiment très mal à l'aise. Cordon d'iPhone, il est très bien. Celui-là, le blanc, c'est une merde. Celui-là, il est très bien. Et j'en ai pris un deuxième. J'en ai déjà un qui est très, très fonctionnel et qui fonctionne bien. J'ai mon Fast quand je veux que ça aille vite. Le vrai, le Apple. Et celui-là, je vais le mettre dans la chambre là-haut pour l'iPad ou pour mon téléphone. Voilà, il coûte rien, du 3 mètres, c'est sympa. Et puis, ceux-là sont plutôt costauds. J'ai très envie de reprendre un peu des fondants, tout ça, et même tester le fondant crème. Et j'ai vu ce brûleur que je trouve, ma foi, très original, très beau, bois comme ça, bois et blanc, avec sa petite coupelle qui est amovible. Je l'ai trouvé vraiment très original. Moi, le mien, il est moche, hein. J'en ai un tout noir, tout laid. Celui-là, je le trouve un peu plus joyeux que moi, on croirait. Le mien, mon brûleur, on croirait une urne funéraire. Moi, il s'agirait d'apporter un peu de gaieté aussi. Et je crois que je l'ai payé 3 euros et quelques, qu'il n'était pas très très cher. Hein. Et je le trouve, ma foi, plutôt très original, en bois comme ça, très sympa. Donc maintenant, reste à investir dans les fondants. Dans la pchitrie efficace et en plus un peu plus délicat, Maison Khalidi, le thé vert, il me semble, thé vert et citron, ça sent très très bon. Je l'ai déjà testé et approuvé. Tu vois, c'est plus par rapport à celui-là, ça c'est plus pour le linge de lit, tu vois, c'est un peu plus délicat. Là, le Winter Spice dans le plumard, c'est un peu costaud. Ça c'est bien sur les rides. J'aime bien, j'aère ma chambre le matin, quand je me lève, je t'ouvre en grand. Et le soir, vers 19h, je vais refaire une grande aération de 10-15 minutes. Et à ce moment-là, je mets mes brumes, mais sans bon, sur mes oreillers, sur ma housse de couette. Voilà, donc comme ça, ça ventile et en plus ça laisse une petite odeur. Ça, c'est un peu costaud, hein. C'est un peu trop lourd pour une chambre, mais ça, c'est très très bien. Les bijoux, alors forcément, côté qualité, j'ai acheté ce bijou pour ce pendentif là. Voilà, pour le pendentif soleil. Un jour, en cadeau de réussite, de quelque chose que j'entreprends, comme par exemple ma perte de poids, parce que j'ai l'intention de me féliciter moi-même et ne pas attendre les félicitations des autres, toi-même tu sais, en m'offrant des petits cadeaux de temps en temps, et m'acheter un vrai collier avec un beau pendentif en forme de soleil, le truc qui tient, que t'es pas obligé d'enlever, tout ça, ça fait partie de l'un des petits cadeaux que j'aimerais me faire. Voilà, mon anniversaire est le 22 mars, je plaisante, puisque c'est un cadeau que je veux me faire à moi-même, donc bon, après les autres pendentifs, ma foi, sont sympas aussi, mais vraiment moi je l'ai acheté pour le soleil. Maintenant, le vrai problème, c'est est-ce que le collier va être assez long, puisque le problème que j'ai avec les colliers, c'est que généralement les tailles standards sont de 45, et ça me serre un petit peu le kiki. Ah bah écoute, non, il n'y a pas de serrage de kiki, il faudrait même... limite qui remonte un peu là pour pas taper sur ma serrure. Ouais, faudrait même que je tente de le remonter un petit peu. Ah, j'adore. Alors c'est de la... ce qui me décrépite, c'est que c'est de la daube et que je pense que comme c'est pas en acier inoxydable, ça va me... je vais le garder pour voir. Ouais, remonter un petit peu. Juste au-dessus de ma serrure. Ça ferait pas vilain. Bah écoute, un balai quelque avec les trois pendentifs, bah, ça durera ce que ça durera et je pense pas très longtemps. J'ai aussi gaulé, parce qu'il en restait que deux, la Plumping Lip Oil. Et là, je ne l'ai pas... tu vois, le packaging de l'huile que j'ai là, il était un peu pareil que ça. Là, je vais tester ça avec vous. Je vais retirer peut-être un petit peu ce que j'ai là. Hop. Bon, après, Plumping... ouais, à peu près retiré. Allons plumper. Comment ça se passe, cette histoire? Ah, c'est huileux aussi, hein. Qu'est-ce qui est censé se passer? On sait pas trop. Là, ça fait 5 minutes. Alors, j'ai un petit problème que je n'explique pas. C'est sur la langue que je le vis mal. On sent un léger picotement, léger sur les lèvres. Mais je sais pas, j'ai dû me lécher les lèvres. Et un picotement sur le bout de la langue qui est pas très agréable. Alors il y a un double effet qui se coule. Au début vous y allez à la manœuvre parce que vous vous dites c'est comme un baume à lèvres. Tu l'appliques, il se passe rien. Là ça doit faire 8 minutes que j'ai appliqué le truc, c'est pas du tout agréable. C'est l'impression de s'être frotté avec un piment au niveau de la bouche. Pour quel bénéfice s'il vous plaît? Aucun. Il me faut en finir très vite avec cette histoire. Ah, alors
l'impression d'être très étrange. Il me faut en finir. Oh merde! Cette endolorie, c'est très bizarre. T'as l'impression d'un début d'anesthésie chez le dentiste. C'est pas plaisant, n'achetez pas ça, hein. Ah! Franchement, clairement abusé ce truc-là, n'utilisez pas ça. Hein. Ah, c'est très bizarre. Puis l'effet, même une fois enlevé, l'effet, il... En fonction, je sais pas, c'est hyper bizarre comme effet. Dernier achat, alors là c'est l'achat enfin, je pense créateur de contenu, ou alors si tu veux te faire des photos de toi à toi chez toi, mais j'ai acheté cette je me recule, attends, oh. Hop, j'ai acheté cette ring light à un prix défiant quand même toute concurrence. Après faut voir la qualité du truc, mais pour 12 balles et quelques, hein, moins, enfin 12,95 je crois. Donc là, compte tenu du prix, alors bien que en toute objectivité les ring light, moi la mienne, la grosse que j'ai dans le coin, dont je ne sais que foutre parce que je sais pas où la placer, j'ai pas de place pour la mettre tellement elle est immense. Moi je me souviens qu'à l'époque cette ring light là, avec tout, hein, les éclairages chauds, les éclairages froids, la housse de transport comme un peu tout le monde, j'avais même dedans des, comment on appelle ça, vous savez, des ronds en alu et des ronds orange, des filtres je pense d'exposition, bref, j'avais payé celle-là, me semble-t-il, pas loin de 100 balles, hein. Pas loin de 100 balles sur Amazon. Maintenant c'est vrai que vous pouvez toucher des ring light, alors ça doit pas être la qualité de la grosse que j'ai là-bas, parce que l'autre, faut limite, quand j'ai des douleurs un peu partout, pour la déplacer c'est compliqué. Là on est quand même sur quelque chose d'hyper léger. J'ai la petite qui est là, qui justement, j'ai racheté celle-là parce que celle-là de temps en temps elle s'éteint, genouné, tu sais pas par qui, de quoi, comment. Donc 12,95 balles, je me suis dit allons-y, en tout cas 12 balles et quelques, je me suis dit je vais tester ça et puis voir si elle vaut le coup ou pas. Trois modes de lumière différentes, elle est flexible, elle va de droite et de gauche, ajustable au niveau de la luminosité, et 140 LED et un trépied qui va de 70 cm à 1,95 m. Donc ça peut être effectivement une bonne alternative à la grosse que j'ai là, qu'un jour je vais finir par refourguer parce qu'elle me les hache menu cette ring light, et en plus même quand je dose la puissance, je trouve qu'elle envoie du pâté. Je filme avec la grosse, je suis comme ça après pendant 2 heures, je vais me tester ça. Voilà la YouTube World, fin de ce petit haul, ma foi plutôt modeste, mais comme j'en fais pas souvent, je me dis de temps en temps, ça m'embêtait un petit peu d'incorporer ça dans le vlog parce que je trouve un peu long. Encore, tu fais 3-4 achats dans un vlog, tu les places. Là, je me suis dit, ça va prendre beaucoup de place dans le vlog, ça n'a aucun foutre intérêt. Bref, voilà, petite vidéo comme ça de derrière les fagots, ça me fait un contenu en plus. Écoutez, hein, ce n'est pas négligeable. Et puis, comme vous tapez pas le haul action toutes les semaines, ça va, ça passe, tranquille. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Des bisous.